Bienvenue à la Waltham Watch Company, la première manufacture horlogère des États-Unis. En 1894, lorsque cette photo était prise, les montres Waltham Watch étaient réputées comme étant les meilleurs garde-temps du monde, meilleurs même que les montres suisses. Ces mécanismes horlogers d'exception, au nec le plus ultra de l'innovation technologique, étaient construits par des femmes. Des femmes comme Nellie McLaughlin, constructrice de cadran, Inès Gutiérrez, d'oreuse, Gasparine Lacroix, certisseuse, les sœurs True Love, Maggie, Molly et Minnie, polissonne, polisseuse, et Adelaide Clark, contremaître. Elles sont femmes, immigrées et horlogères. Elles sont les faiseuses du temps de Waltham Watch, elles sont le sujet de ma thèse. Je suis historienne et j'étudie le rôle des femmes dans l'histoire de l'industrie horlogère mondiale. Nous connaissons les contributions des hommes à la branche, de Nicolas Hayek à Louis Breguet, à John Harrison, mais les recherches, les recherches sont maintenant moins nombreuses au sujet de la contribution des femmes à l'art, à la science et à l'industrie horlogère. Ma thèse cherche à élaborer Ma thèse cherche à investiguer les contributions économiques de ces femmes ainsi que leur degré d'appartenance de, de sociale. Leur degré, ah, sociale. Euh, comment est-ce que ces femmes ont impacté leur entreprise et leur société Et je suis allée dans les archives de Waltham Watch pour chercher des résultats. Les les archives nous disent que l'entreprise avait recouru très largement au travail féminin pendant la seconde partie du xixe siècle. mais les archives aussi nous disent que cette sororité ouvrière était solidaire dans sa diversité. elles étaient subversives. les faiseuses du temps de waltham watch avaient mené une lutte contre leur patronat et contre leurs syndicats pour obtenir le droit des femmes d'accéder à l'éducation, Industrielles. Et en ce sens, elles sont véritablement des pionnières dans la lutte pour l'éducation industrielle. Ma thèse n'est pas qu'une page de plus dans l'histoire horlogère. Dans mon travail, je retourne aux origines de l'industrie moderne et je témoigne à l'émergence de la division genrée du travail qui demeure une caractéristique du capitalisme et une source d'inégalité dans nos sociétés contemporaines. Et nous, historiennes, nous avons la responsabilité d'investiguer ces phénomènes pour pouvoir guider nos politiques vers un avenir d'industrie éthique.